dès de la retournée, je suis passé. Alors, moi, j'ai débuté le raid un peu en suivant ma sœur, on va dire. Elle m'a montré au lycée que le mercredi après-midi, il n'y avait pas que le volley, il y avait aussi du raid. Et j'ai découvert ce sport et aussi les gens qui le font. Et ça m'a donné envie de continuer parce que c'est pas seulement du sport, il faut aussi réfléchir. Ce raid-là, c'est la troisième année que je fais. Donc on peut le faire de 14 à 16 ans. Et du coup, ben, je l'ai fait quand j'avais 14 ans, 15 ans. Et là, du coup, j'ai 16 ans. Donc c'est ma dernière année pour ce raid. Les filles, on va changer de camp. Même s'il y a aussi un classement filles, un classement garçon, un classement général, mais au final, filles et garçons peuvent très bien gagner. Et j'ai déjà vu des filles qui nous doublaient. Moi, j'étais avec deux garçons et c'était bien plus forte que nous. En général, ceux qui arrivent, qui gagnent, ils sont en équipe mixte, ils ne sont pas que garçons ou que filles. Et du coup, je pense que c'est une bonne manière de classer tout le monde ensemble. Enfin, il n'y a pas de différence, c'est bien. La première fois, j'étais avec des filles. C'était une équipe vraiment que de filles et c'était super détente. Enfin, c'était peut-être mon premier raid en fait. Et ça m'a permis de découvrir ce sport. C'était vraiment génial. Et l'année d'après, je m'étais beaucoup plus entraînée. J'avais fait d'autres raids. Et là, j'étais avec deux gars. Notre raid, il se déroulait bien, mais on n'avait pas vraiment d'objectif particulier, être premier en mixte ou gagner tout simplement. Et après, le dernier jour, on s'est rendu compte, on entendait dans les Tokiwoki, « Ouais, c'est l'équipe, ils sont deuxième, premier. » Du coup, nous, on était là, « Ouais, c'est vrai !» Et plus on avançait, plus les gens, ils nous regardaient en mode, on savait qu'on était devant. Et du coup, on a continué. Et à un moment, je crois même qu'on était premier. Et à la fin, on arrive et on a fait une petite erreur sur des clés. Et du coup, on n'a pas réussi à gagner, mais rien que les émotions, enfin, c'était vraiment génial, quoi. Mais du coup, j'étais super contente quand même pour la fin. Je vous renouvelle donc tout le plaisir qu'il note de vous accueillir. Je note aussi que les féminines sont toujours aussi nombreuses pour ces éditions-là, et c'est bien parce que c'était pas le cas il y a quelques années ça, le sport féminin n'était pas aussi développé. C'est un raid sportif, un raid culturel, mais où l'entraide doit primer également, donc penser à l'esprit de solidarité aussi avant tout, remporter le raid c'est une chose, mais s'entraider et regarder ce que font les camarades, c'est important aussi sur ces épreuves-là. Soyez prudents et prenez surtout beaucoup de plaisir à faire cette nouvelle édition du Raid Périgord Aventure sur le canton de Trélissac. Alors vous voyez, bon, bah, que ça monte, ça descend. Là, vous avez les 50 bornes de demain et avec les dénivelés. Alors le plus fort dénivelé, là, vous l'avez ici, vous avez 100 mètres. Les 11,5 premiers kilomètres, ça va être en run and bike. 11,5 en run and bike. On course à pied, 11,5, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup. Il faut vous parler, quoi. Et le dire. Vous ne mettez pas dans le rouge, les filles, hein, au début. Là, ça va bombarder au début. Hein. Il y a les gros bourrins qui vont partir comme des ânes. Vous ne mettez pas dans le rouge, l'étape, c'est 50 bornes, c'est long. Hein. C'est énorme. Donc là, c'est là où ça va se jouer. Hein. Ça va être à la tronche. Hein. Parce que là, il va falloir tenir. On est réveillé à 6h. Ouais. Ok, bon, vous avez le matériel, les t-shirts, vous êtes tout ça. Bouché, les filles. Oui, on va au lit, nous. Ouais. Vous êtes brossé les dents. Oui. Ok. T'es sûr? Bon, pas d'histoire ce soir, il est trop tard. Donc, franchement, je vais venir récupérer mon bracelet.
Bien les vélos, c'est pas à côté des vélos. J'ai peur, j'espère être préparée, j'espère que ça va bien se passer. Après, on croise les doigts. Allez, on s'arrête là, les gars. Après, il faut de l'eau, là. Faut que je m'hydrate. À 500 mètres d'ici, en direction sud-ouest, à 10240. S'impose le château Boris-Petit, dont le pigeonnier renferme un indice. Okay. Sud-ouest, c'est par là-bas. Ok, bah go. Et c'est quoi le deuxième, le truc d'après? Une sur deux. Allez les gars, c'est pour rechauffer le moteur. Je viens de faire 12 km et j'ai toujours pas chaud. Let's go. Nickel. Allez, changez les vitesses. Allez, allez, Flore. Allez, 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 allez. Oui. On y va les gars ? Allez, on gère. Ok, go. On va aller après. On va passer là. Non, ça devrait pas. Ouais, c'est bon, tu peux y aller. Merci. Bonne journée. Ah, oh, merci les filles, c'est bien. Oh, salut Axel. Traverser la première salle pour atteindre la salle des colonnes. C'est bon? Ok. Traverser la première salle. Allez, de l'un ramené du chapiteau. C'est là qu'il faut le lion. Deux griffons jumeaux, c'est parfait. Ouais. Moitié aigle, moitié lion. Allez Flore. Oh, on a bien couru là. Ah. Moi je commence à avoir des crampes, des mal partout. Non, c'est horrible. Toi, un massage. Ah ouais, non mais là.
Allez. 2, 3. C'est qui part. Une trempe ? Non, non, j'ai un énorme pont de côté. On est presque arrivé au canoë. Jean-Marc, c'est lui qui gère le stock. C'est bon, fais du surf. Mais Paul bouge pas le canoë. C'est en plein de sable là. Putain. Allez gars, on est parti. Tu roules comme ça là. Vas-y, vas-y, c'est pas grave, prends ton temps. Profite, profite de l'eau froide. Là, il y a personne. Ah, mais mon mollet. Aïe, 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 aïe. Ça va aller ? T'as une crampe à la cuisse ? Je crois au mollet, c'est comment vous les tirer ? C'est aller en haut, là. Tu peux courir jusqu'au vélo ? C'est quoi, on va faire une chaîne. Morgane, tu t'occupes de mon sac à dos et moi je m'occupe de celui de Léonie. Reste de l'eau là. Merci de m'appeler. Je vais te donner l'estimation du temps de la dernière éclipse. 18, 18. Ça va les filles? Nickel. Une heure et demie de notre train. C'était top, moi je suis contente de nous. Je suis très fière de vous les filles. Ok, j'arrête. J'essaye d'avoir l'esprit de compétition, mais pas trop parce que après il faut pas vouloir arriver premier à tout prix. Je trouve ça un peu dommage parce qu'au final le but c'est le chemin qu'on a parcouru et pas la position. Et il faut aussi être, savoir écouter les autres et pas juste penser qu'à soi-même, à vouloir être premier et tout, c'est nul sinon. L'empathie aussi, c'est vraiment une des qualités principales qu'il faut avoir dans la vie, comme dans les courses, comme dans le sport. Parfois, quand on court, on voit par exemple une équipe qui a percé ou quelque chose comme ça, et ils sont super tristes et comme en raid, toutes les émotions sont décuplées. Si tu pleures à fond, si t'es content à fond. Et du coup, quand on passe à côté d'eux, à chaque fois, moi, je suis super triste pour eux. Et ça t'apprend aussi dans la vraie vie à faire attention aux autres, à pas être blessant et à les aider. Je connais des filles qui sont pas du tout comme ça, qui veulent absolument être premières, et des garçons, au contraire, qui sont super humbles et qui vont toujours faire le tout pour les autres. Et comme des garçons qui veulent être premiers, et des filles qui sont humbles aussi. Enfin, c'est juste un caractère humain, on va dire. Ça va, mais on n'a pas du tout envie de mourir. On va non plus. Non, alors c'est bon. On a tout. Tu veux savoir combien de temps? Ah, 18, parce que 19e, pardon. Ah, ouais, c'est bien, 19e. 19e, pardon, j'avais pas compris. 18, 18. En sport, hein, ah, oui, d'accord. Mais c'est vraiment ça, ça sert à rien. Ça va, Vous avez tiré là? Oui. C'est ce qu'on a passé. Je veux dire, on a fait 6 sur 9. Oh. Oh. Là, la tireuse d'élite. Ah, si ça va, ça s'est pas passé. Ce matin, très dur. Mais c'était même pas dur physiquement, c'était juste dur mentalement. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi aussi. Je les ai vus dans un petit chemin. Comme on a pas d'énergie. Moi, j'étais hyper calme. Sur les calmes, je peux pas bouger. Moi, je me suis fait sur les canoës. Ah oui, j'ai pas. On est arrivé combien là?
17. Vous êtes arrivé 17e. Et ce soir, mais quand vous êtes parti en dernier ce matin, on va vous enlever du temps. Oui. Donc vous allez remonter. Ah oui, voilà, on est les 17e arrivés. Oui. Mais oui, comme on est 36e, on va remonter quand même. Ah, bah, oui. Tu vas aller, je fais les deux. L'emmener. Voilà, bisous. Fais le plat. Bien. Tu devrais avancer un peu ton œil. Tu veux pas faire le mien? Ah bah si, c'est bon. Voilà. Putain, j'arrive pas. Pour quelqu'un qui est. Hein, c'est bien les filles, je tremble. Oh, les filles, mais tournez, je trouve. Oui. Super les filles. Mais ça me stresse quand je fais les points des ailes. Et que je fais les points des ailes. Vous êtes relou avec vos doubles là. Mais jouez avec moi. Ouais, vas-y, joue. Vas-y, joue, Sam. Non, c'est moi, joue. Je me fais une moustache, j'ai une qui est là. Il a mon rien. Il a mon rien. Il a dit ça à moi. Là, c'est pareil que hier. Il y a un ravitaillement. Ouais, il y a un ravitaillement. Le ravitaillement en code. Oui, nous, on y va pour ravitaillement. Oh, ah, ravitaillement sur non, et après, voilà, après, c'est la fin. Et surprise. Du coup. C'est quoi la surprise? Ça va être le franchissement 1-1. Franchissement. On court après. Donc, la 35, la 7, la 14, la 1 et la 4, vous allez partir. La 18. Rien à faire dedans, pas des fois. Tout le monde s'arrête à nous.
C'est la vie, hein. Robin des Bois. Romel. Merde. Passer le pont-levis et entrer dans la grande salle du château. Un dossier à décrypter dans un vieux grimoire ouvert à la bonne page. Je crois que c'est celui-là. Il est ouvert à la page. Non, c'est lui. Mais ça doit être qu'il y a un truc à lire. J'étais prêt à y aller, Flore m'a dit, Paul y est déjà allé. On va aller voir les mecs, là. Ouais, bah c'est quoi un peu. Bonjour, 15. Oh. Une demi-heure pour trouver la valise. Une demi-heure. Une demi-heure. Ouais, l'échelle, elle est grande, elle est très grande l'échelle. Hein. Ah ouais. Ouais, du départ à la 6, c'est 2 km. C'est deuxième, c'est bon. C'est bien, mec. Bon, les gars, c'est super, hein. Faut qu'on se pose. Là. Dernier parti, deuxième arrivée, château. Bravo. Et quitte 18. C'est enregistré les fuites. Les filles, c'est la neutre. Ouais. On va aller au château. Et Louis, pousse aussi. Non mais là t'enlèves ma chaussure, meuf. On va poser nos canoës, on va aller dans le château. Regarde. Je pense que c'est pas trop. Non, ça c'est le château. Il y a là au courant, Allez,
quoi ça? C'est ça. Ah, non, mais ça ressemble pas du tout. Attends, non, mais non, ça ressemble pas du tout. Arrête, fais à côté, fais à côté. Ouais, je sais pas combien de points de pénalité ça. Restez bien à droite et surveillez qu'il n'y ait pas des personnes qui vous doublent. C'est rempli de boue. Il va te bouffer les chaussettes et les pieds. Allez, c'est parti. On va pas venir le récifier des ampoules. Château Escort, c'est avant de commencer. Attends, on va refaire. On fait comme ça, une flèche là, un genre de point là. Là, c'est là. Il vous reste quand même une épreuve, c'est-à-dire traverser en filet canoë, comme vous avez déjà fait. On l'a déjà fait ça. Et ensuite, vous avez une tyrolienne. D'accord ? Seuls les refus sont pris en compte. C'est pas de temps, mais si vous le faites pas, vous serez pénalisé. Il te faut le casque et pour le faire. Du coup, il va tout doux, hein, c'est pas chronométré. Voilà, exactement. C'est bonus. Effectivement, faut pas sauter. Ah, c'est froid. Merci. Je descends en premier. Non, vas-y, descends en premier. Non, descends en premier. Moi ou Léonie? C'est mental.
Mais à la fin, il y a l'histoire. Non, mais l'histoire, on va pas commencer là. C'est ce qu'on fait là. Le village s'endort. Ah oui, ça, on l'a fait. Tu vas bouffer. Tu vas être en mer. Mais non, mais moi, je suis un narrateur. Tu t'es coupé? Non, c'est la trace du couteau. Tu mets quoi quand même? Tu mets quelque chose dessus. Louise, elle est jolie. Mais il y a un truc, Héloïse adore. Ouais, oui, Héloïse adore. Oui, non, mais elle va le chercher. Elle est jolie. Mais je sais pas où il est. Elle sont dans leur Vous êtes 11ème, mais toi tu joues à Candy Crush contre le soir. Non, mais je vais. Ça te fait quoi d'être 11ème? Oh, Candy Crush, c'est mieux. Vous avez raison, mais c'est une vacance. Ça lui fait ni chaud ni froid. Il faut être détente. Lui, il est sur stop, tu vois. Bon, alors, si on fait le résumé, c'est très simple. Normalement, vous avez 11 indices. Sur le plan qui est là, sont indiqués les 13 indices. Ça va vous permettre de vérifier les 11 vôtres, si vous avez besoin de vérifier. Et ça va vous permettre de trouver le 12e et le 13e. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remplir votre grille de 13 indices. Et une fois qu'elle est complète, mais uniquement une fois qu'elle est complète, vous vous rendez à la... Chapelle. Ça va? Oui. Très bien. Si vous n'avez pas de grille complète, vous ne rentrerez pas à la chapelle. Bonne chance à tous, bon courage à tous. Merci. Équipe 15. Ouais. Équipe 9. Oui. Équipe 26. Équipe 18. Non, je suis avec Équipe 36. Équipe 16. Départ. D. Il est là. Il est ici. Donc. On a trouvé le château de la princesse. Château de la princesse. Bah oui, un château de la princesse. Surtout, il va être en haut, le château. Bah, je pense. Là, il y a la route qui part là et il y en a un juste après. La route qui part là qui est là et ça part juste après. C'est tombé, j'ai de l'autre côté. Hein. Dis-moi, je reprends. Ok. Flèche. D. VD. Ouais. Vite. Comment on fait pour traduire? Il faut traduire chaque truc. Bah, tu reprends l'alphabet, tu traduis et tu prends la lettre d'avant. Voilà, isque, ça veut dire quoi? Ça, c'est l'ordre, regarde, c'est l'ordre dans lequel il doit être. Qu'est-ce que tu fais, mec? C'est pas ça. Si, 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 c'est ça. Fais gaffe, regarde bien parce qu'il y en a plusieurs des doubles C, je crois. Vous êtes sûr? Ouais, il y a plein de lettres en double. Putain, mais c'est quoi cette merde? Allez, vas-y, une deuxième équipe si vous voulez. Tu vois, la dernière? Oui. Fleur, tu caches. Ok. T'as compris ça ou pas? La lettre d'avant. Mais il y en a deux pareils là. Là, c'est pas grave. Tu prends le K. Oui, mais tu prends le J ou le Y? Tu mets le J. Non, tu prends plus le J. Prends le J. Le Y, on s'en fout du Y. Alors, tu dois te rendre dans les bois, attends, les bois, ce serait pas les bois. Il n'y a pas des bois là, j'ai vu quelques bois. On s'en bois de Kourazak. Oui, c'est ça, bois de Kourazak. T'es pas con, toi. Allez, go, là, on y va. Nathalie part de l'équipe 30 et l'équipe 15 de la chapelle. Celui-là, c'est sûr, Paul. Avance, Thomas, avance, celui-là. Allez, toi, celui-là.
Vous l'avez? Oh putain. Vous l'avez trouvé? Ouais. Qui marche plus, t'es dans ton stylo. Tiens. Au camp de la plaine, on voulait vous rendre au château Bouglion, guette d'Amrose. Faut qu'on aille, on va chercher nos vélos et on va trouver des vélos. Mesdemoiselles, 18. J'ai trois petites questions. D'où venez-vous? De la source de Beznac. Très bien. Où vous voulez aller? Au château d'Armoire. Ouais, c'est que je te l'accorde. Okay. Et avec quoi? Avec nos vélos. Ouais, mais c'est vélo qui a marqué? VTT? Non, VT, je sais pas quoi. Vos enfourchures là. Vos montures. Allez-y. Oh. Allez. Bon courage, faut que je te donne le. Faites. Alors attendez, vu que ça c'est toi qui l'as traduit, t'es sûr, ouais. T'es sûr de toi? Non, je suis sûr que mon paquet est bon, s'il te plaît. Dans quelle page? Je ne comprends pas. Il n'y a pas une statue de Adam ou je sais pas quoi. Je fais les deux premières. Léonie, tu fais au milieu. Je commence la ligne du 3. Ah non, j'y suis, fais celle-là. Qu'est-ce... Non, mais je vais commencer à traduire alors. Ok, on va bien. Attends, non, dis-moi les lettres. Alors, tu veux quoi? R. T. S. Attends, je crois que j'ai oublié une lettre et c'est sur son calvaire. Ok. Bah, sur son calvaire. Tu penses que c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Inscrit sur son calvaire. Alors, inscrit sur son. Bah oui, mais c'est ça. S-O-N sur son calvaire. Alors, trouve ce. Ce glisse. Trouve église d'Aconac. Trouve église d'Aconac et ça doit être la clé machin. Attends. Allez, c'est pas, les premiers n'ont pas encore trouvé donc c'est pas fini. Allez. Allez les filles, allez, courage. Allez, reste en propre. Vous avez pas trouvé? Capitaine, loin, on s'en fout. Non, mais, descendez. Okay. Vous rentrez, 15, vous rentrez. La 15, l'équipe de 15. L'équipe 15, l'équipe 10, vous rentrez. Je vais trouver. Lisez le message. Lui. La blague. Je vais aller au-dessus, c'est ça? Non mais la blague. C'est celui-là là. Ça fait I. Pas I. I. Pas, I, pas, y, pas Y. I. Dans l'armoire, lui. Marie-Camère. C'est quoi qui vous cherchez? Vous cherchez quoi? Un bec vizir. Un bec vizir. Vous pensez que chercher ça? Sortez de là, s'il vous plaît. Reprenez votre traduction. Un V. La clé qui ouvre les noyaux. Ça n'existe pas. Les noyaux. Les... Il manque un mot qui est important. Vous étiez combien au départ ce matin? Dans le 13e. Vous êtes dans les 10 premiers, c'est combien? C'est très bien. Très bien. Bravo.
Marie-La. La clé. Marie, l'autre clé. Viens, on va traduire. Il faut qu'il y en ait une qui aille retraduire, là. Vous n'avez pas suffisamment bien traduit votre phrase. On a pris un temps pour déchiffrer. Non, par contre, c'était trop rapide pour déchiffrer. Et là, genre Valérian et tout, ils avaient une putain de technique. Je fais, oh, ils vont passer devant. Et au final, on est parti avant eux. On est allé au VTT et on les a plus revus. C'était plusieurs clés l'année dernière. Bah, l'année dernière, on l'a pas fait jusqu'au bout. Hein. Oui, moi, pas l'année dernière. Mais... Oui. Il y avait pas de clé en or, quoi. Allez, les gars. Avec notre petit Tom, c'est son anniversaire aujourd'hui. Eh ouais, bon anniversaire, Tom. Non, mais c'est bon, on est tranquille. On l'a eu! C'est vrai? Oui! Yes! Non. C'est vrai? On a gagné! Et tout le monde était devant nous, on était quatrième! Non, franchement, on était paumés et on a tout remonté. Et on est reparti à l'église, on a retrouvé le calvaire, on a trouvé le code pour rentrer. Et Thomas, il fait. Je sais plus qui, il a un saint qui. Saint-Pierre. Qui a les clés du paradis à ses clés. C'est pour ça qu'il dit ça sert à votre côté. Saint-Pierre qui a les clés à ses pieds. Du coup, Arthur en prend une et puis les filles de ça se prennent la clé derrière. Il y a deux clés. Alors vous étiez derrière là, oui, il y avait deux clés, c'était nous et les autres. Et ils ont trouvé la bonne porte et voilà. C'est ultra stressant. Il y a de la marge ultra. C'est chaud de se dire que d'être juste derrière, voilà. Tu vois. On aurait été quatrième, on aurait moins de seul. Mais là par exemple cette année il y a des titres qu'on faille gagner. Donc pour les filles c'est vraiment pas impossible et puis de se dire qu'au final une fille elle peut gagner et après tu peux dire bah, une fille elle peut tout faire comme un garçon, une fille elle peut être astronaute, une fille elle peut être présidente, une fille elle peut faire tout ce qu'elle veut comme un garçon et un garçon il peut faire tout ce qu'il veut comme une fille, il n'y a pas de soucis.